empty, can my feelings change? Somebody save me. Somebody save me. All together, caught in the cold and night. Got no change to spare me to survive the night. Manesmopède et c'est la voix qui part en couille. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Et comme vous pouvez le voir, on est de nouveau sur la petite XR. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vlog, alors il va falloir que je me réhabitue. On va s'arrêter un petit peu là. Je vais vous raconter un petit peu en détail ce qui s'est passé sur la petite mémère que voici. Et vous avez dû sûrement remarquer au niveau du tableau de bord, ça a changé. Hop, on va se caler là. Voilà, on sera bien ici. Personne pour nous emmerder. Hop. Donc, ça fait un petit moment, je suppose, que vous n'avez pas vu cette petite XR. Donc vous avez vu qu'elle a changé, voilà, pour ceux qui n'avaient pas vu les photos sur Facebook. Donc elle a changé au niveau du look, mais aussi au niveau du moteur, parce qu'il y a une petite couille qui s'est passée, encore une. Donc on va commencer petit à petit, on va parler niveau look, puis après on parlera niveau moteur, puisque c'est le plus important, on va dire. Donc niveau look, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La pose des liserés. En voyant celle de Romain avec les petits liserés jaunes, j'avais envie d'installer les petits liserés orange que vous voyez là. Et au final, ça lui donne une bonne gueule, vraiment une bonne gueule. Petite installation des stickers carbone sur la fourche, voilà, pour faire imitation de la fourche paille RD des XR. Donc remise en place du cache variateur. La petite languette qui se fait la malle. Non, elle est juste retroussée. Donc le petit cache variateur que j'ai personnalisé, donc avec les sticks carbone aussi. Les petits autocollants Polini à droite à gauche, petits autocollants Doppler qui va bien devant. Les nouvelles poignées Doppler, voilà, que je trouve vachement sympa. Un petit sticker carbone aussi ici, donc ça c'est pour le fixer le téléphone, voilà, si je dois partir un petit peu loin pour avoir le mode GPS. Le petit coupe-circuit que j'ai pas fini de que j'ai pas branché du tout même. J'ai repassé un petit peu le logo MBK sur la boîte à kick en blanc, voilà, je fais dans les petits détails. Mais voilà, vous voyez, elle a une bonne tronche, la petite. Donc je pense que je vais rien modifier la prochaine fois, au niveau de la gueule, au niveau du look. Donc c'est nickel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du moteur? Tout simplement,
Ben cette petite mémère n'avait pas tourné aussi avant, depuis un petit moment. Pourquoi ? Parce qu'elle déconnait au niveau de l'allumage. En fait, elle avait tellement de puissance que vu que l'allumage qui n'était pas claveté, eh ben, il se décalait constamment. Donc j'avais dû refaire un calage à nouveau, hein, ce qui avait été un peu la merde, je vous avouerai. J'avais trouvé un bon compromis, et elle marchait nickel et tout. J'avais changé les joints aussi parce qu'elle avait une petite prise d'air. Mais malheureusement, il y avait un petit peu de pâte à joint qui s'était infiltré dans le moteur, ce qui m'a tout niqué, voilà. Bon, tout niqué, on va parler que du piston parce que le cylindre n'a rien eu. Juste un petit morceau de nicacille qui s'était un petit peu barré sur la lumière d'échappement. Mais j'ai rectifié tout ça, hein, je vous expliquais. Donc j'étais un petit peu dégoûté. heureusement, donc le cylindre n'a rien eu, mis à part ce petit coup qu'il avait reçu sur la lumière d'échappement. Et aussi, donc, le vilebrequin qui m'avait fait la même merde que la dernière fois. Il m'avait fait un petit peu de limaille et la bielle avait pris énormément de jeu. Donc j'ai dû prendre une décision. Je me suis dit, c'est bon, on arrête les conneries. On va payer un bon coup et après on arrête les frais. Donc, putain, ça me fait bizarre de parler tout seul, là, il n'y a personne. Je nique le game! Voilà. Du coup, au niveau du moteur, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai installé un nouveau petit vilebrequin. Donc, c'est un vilebrequin Doppler Endurance, voilà, qui permet de résister à pas mal de tours par minute. Je ne sais plus exactement, je vous le mettrai, voilà, au-dessus de la vidéo, hein, ou dans le lien. Claveté, qui plus est, donc pas de réglage à faire, hein, ça a marché nickel. Piston neuf, segmentation neuve. Les joints moteurs, j'ai pas pris de la merde, j'ai pris du haut de gamme aussi. J'ai pris la bougie qui était préconisée par VSX, qui allait avec ce kit, voilà, qui est sur la fiche constructeur du moteur. Le petit pot Doppler, voilà, que j'avais acheté un peu avant le tournage de l'émission, voilà, 66 minutes, que je n'avais malheureusement pas pu tester, donc j'avais pas vu le bruit, les performances, etc. Donc niveau pers, ben, j'en sais toujours rien, hein, au niveau performance, puisque je suis en rodage. Mais bon, voilà, elle fait un super beau bruit, par contre, ça c'est génial. Car ce pot, il a une gueule d'enfer. Donc voilà, il y a eu pas mal de changements. Et donc, pour ce qui était de ce fameux revêtement nicacille qui s'était un petit peu barré au-dessus de la lumière d'échappement, eh ben, j'ai dû passer un petit coup de Dremel au-dessus de la lumière d'échappement pour l'agrandir de quelques millimètres. Ça ne m'a pas spécialement changé mes diagrammes. Elle a gagné un petit peu plus en puissance, je sens, mais très légèrement. Et bon, après, j'ai prié le dieu de la brêle quand je l'ai démarré, en espérant qu'il n'y avait pas un tout petit morceau qui restait et qui allait me niquer le piston. Et au final, ben non, là voilà. La petite fonctionne impeccable. Donc, aussi, j'ai augmenté mon gicleur, voilà. Je suis passé à deux points dessus. Donc là, elle fume énormément et elle a tendance à brouter un petit peu entre 0 et 20 km/h. Vous inquiétez pas, ne me dites pas que le réglage a été mal fait, c'est prévu. Et vous avez sans doute remarqué que j'ai un petit peu du mal à vous parler parce que vous avez aussi remarqué que non seulement la caméra a changé de position, elle n'est plus à droite, mise à gauche, voilà. Ça vous permettra peut-être de voir un petit peu mieux ce qui se passe sur la route. Et j'ai changé de casque, voilà, donc c'est un petit casque tourère, cross tourère il me semble, donc c'est un casque cross avec visière, de couleur rouge-orange, donc ce qui va bien avec la brêle, hein, avec bon, le petit blouson, le bearing que vous connaissez, hein, que j'avais acheté, et des nouveaux gants aussi, voilà, bon, je vous ai fait un petit peu le tour. Ah aussi, j'ai changé ma transmission, alors vu qu'elle avait trop de patates, je trouvais, avec la transmission en 60, je suis passé sur une couronne de 52 et ça me suffit amplement. Donc comme je vous disais, avec ce casque qui est neuf, vu que les mousses sont assez serrées contre mes joues, voilà, ça me compresse les joues, eh bien j'ai tendance à avoir un peu de mal à parler. Mais bon, ça va se faire, vous inquiétez pas. bon là on va se faire un petit tour, voilà, j'ai fait une petite sortie du soir, voilà, pour vous parler un petit peu. Bah écoutez, on va reprendre la brêle et puis on va continuer un petit peu à discuter. Allez, hein. De toute façon, on est venu pour ça. Hein. Ça sent le fail. Une et pas deux, con. Vous étonnez pas si vous trouvez que je roule doucement, hein, durant mes vlogs. C'est tout à fait normal. Hein. Je suis en rodage. Donc j'alternerai un petit peu, suivant les vidéos, avec la HPL et la 51. Oh, la Peter 5. T'en es propre. Alors, je peux vous dire que ça fout le seum de rouler à 50 quand on a un engin qui plafonne les je ne dirais pas combien. Ouais, ce pot, il fait beaucoup de bruit. Hein. Et en plus, à bas régime, j'ai l'impression qu'il, en fait, il vibre beaucoup. Je pense qu'il va falloir que je change les ressorts de pot, que j'en mette avec des manchons anti-vibration.
Oh pardon, excusez-moi. Ça va, j'ai mangé il n'y a pas longtemps, hein. Déjà je fais une vidéo pour vous. Vous allez pas non plus, hein. Oh, voilà, c'est la répartie. Vous savez quoi, on va aller se reposer à un autre endroit, hein. Je vais vous montrer un peu du paysage, hein, tant qu'à faire, hein. Je vais vous annoncer pas mal de choses qui s'est passé par rapport au reportage d'M6. Ça risque de vous plaire pour certains, hein. Pour beaucoup d'entre vous même. En fait, j'ai fait le tour pour rien. Tout ça pour cramer un vélo, les gars. Non, mais là, non, mais arrêtez de me juger. C'est ça fait longtemps que j'ai pas dépassé quelqu'un avec ma XR. Alors, hein, je vais me sentir à un moment donné capable de doubler quelqu'un. Alors, hein, voilà. Bon, voilà, on a enfin trouvé un petit endroit tranquille pour se poser. Donc, on va parler un petit peu. Je vais vous parler un petit peu annonce, hein, de tout ce qui va se passer. Donc j'ai reçu énormément de messages de votre part par rapport au reportage d'M6. Franchement, ça me fait chaud au cœur. Donc j'ai pas les noms sous les yeux, mais il faudra vraiment que je fasse une vidéo de remerciement pour tous les gens qui m'ont encouragé, voilà, qui m'ont remercié de faire des vidéos. C'est vraiment un énorme projet. J'ai vu que ça vous a plu, hein, c'était vraiment énorme à réaliser. Donc pour ce qui était de la vidéo aussi, du tournage, j'ai vu que ça vous avait plu aussi, donc c'est impeccable. J'ai vu que la vidéo a fait à peu près 1400 vues en 2-3 jours. Donc je vous ai mis la vidéo du reportage M6, la diffusion de 66 minutes en clair, je l'ai mis sur YouTube, hein. Donc il y a aussi Mob Custom qui a fait un article sur nous, d'ailleurs je les remercie, donc dédicace à vous. Donc pour parler projet, il y a une abonnée aussi qui m'a dit qu'il y aurait un rassemblement dans les Landes, à Jeunes, il me semble. Donc, alors ce n'est pas sûr que je serai présent, donc ça va se passer le 19 août. Je vais en parler un petit peu avec des collègues à moi, puisque c'est grâce à eux qu'on pourra venir, parce que il y a Romain qui a un fourgon et qui pourrait peut-être éventuellement nous amener, s'il est disponible, ou s'il est d'accord aussi. Mais bon, on sera peut-être présent, je vous en dis pas plus pour le moment. Aussi, on sera peut-être présent à la prochaine fête de la mob à Grolet. Donc là par contre je pense que j'aurai le permis avec la remorque porte-moto, donc déjà je pourrais un petit peu plus me démerder tout seul. Mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et que je veux faire pour vous rencontrer à vous tous. Ce serait vraiment énorme. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire exactement de plus, si ce n'est que je vous remercie vraiment à vous tous. Voilà, comme je vous disais dans le reportage, on est une petite communauté, mais une communauté en or. Sans vous, on serait rien du tout. Donc on remarque quand même aussi qu'il y a beaucoup de travail au niveau des vidéos, il me faut du temps. Et là, j'en manque un peu avec les examens. Là, la semaine prochaine, j'ai énormément d'examens pour le bac. Donc les vidéos mettent un petit peu plus de temps à sortir. Mais dès qu'on va arriver en vacances au niveau de juillet, je peux vous dire que là, les vidéos vont sortir plein pot. Et qu'on va faire des vidéos délire avec les potes et tout, ça va être excellent. Voilà, c'est une petite vidéo pour parler un petit peu avec vous, pour vous remercier de tout ça. Mais franchement, ça m'a bluffé de voir tous les messages que j'ai reçus le soir même où on est passé à la télévision. C'était vraiment énorme. Donc certains d'entre vous ont été un petit peu déçus par rapport au temps de passage où je suis apparu. Mais bon, on va pas se plaindre non plus, on est quand même passé à la télé. Ça, c'est déjà vraiment un truc de malade. Donc je remercie aussi Christophe grandement, parce que sans lui aussi il n'y aurait rien eu de tout ça, on serait pas passé à la télévision. C'est lui qui a parlé de nous, voilà. Je tiens vraiment à dire, ils sont pas venus nous contacter directement, nous dire ouais voilà, on a vu votre chaîne, on aimerait vous filmer. Non non, c'est grâce à Christophe de Tomahawk. Donc encore un grand merci à toi, un grand merci aussi à Christian Monchet, avec qui j'ai pu parler un petit peu, échanger, etc. J'ai vu que c'était vraiment une très bonne personne, que j'aimerais aller voir aussi, ainsi que Christophe bien sûr, hein. Donc tout ça c'est des projets qui sont à venir, mais bon, vous inquiétez pas, on va pas s'arrêter là, on est sur une putain de bonne lancée. Donc on va continuer à vous envoyer des vidéos, à vous balancer tout ce qu'on pourra vous balancer. Vous nous direz dans les commentaires ce qui vous plaît plus ou moins, et puis voilà. Je crois que c'est tout, je pense que j'ai rien oublié. Si vous avez aussi des défis, ça d'ailleurs ça m'intéresserait. Et ça, c'est que je me suis inspiré d'un youtubeur qui s'appelle Grid. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais voilà, j'aime beaucoup ce youtubeur. Il est du 40, voilà, dans les Landes. J'aimerais bien faire quelques petits trucs un peu comme lui, mais
sans plagier, hein, mais bien sûr, si vous avez des petites idées de défis pour déconner, etc., ce serait vraiment sympathique. Moi, je pensais faire un petit peu comme une vidéo, comme il avait fait, mettre une pancarte dans le dos, et moi, je remarquais klaxon quand t'avais une mop, quand t'étais plus jeune, etc. Enfin, trouver des petits trucs marrants comme ça, ça pourrait être sympathique durant un vlog, ou faire carrément une vidéo à part. Enfin, si vous avez des idées, vous n'hésitez pas du tout à me dire tout ça dans les commentaires. On lève le camp, allez, on repart à la maison, c'est parti.